Merci Seigneur. Je suis très émue parce que moi je suis de voir des témoignages. Mais c'est un honneur pour moi. Merci Dieu vivant. Et il est tout puissant. Et je réjouis mon cœur quand je vois l'assemblée de Dieu si nombreux. Et quand on a débuté, on n'était pas nombreux. Je vais vous dire mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur. C'était à Brest, il y a bien longtemps, depuis le temps du réveil, il n'était pas encore évolué. Et puis on était à Brest. Et puis alors, mon père, c'était tuteur, depuis tard, le Ronald Carlo, il allait dans une petite, c'était ce dernier, mon oncle Carlo, il est venu nous visiter. Et puis il était vers Mans, bon c'était les beaux-frères ensemble. Alors il est venu lui nous apporter le témoignage. Et puis il disait que le Seigneur est vivant. Alors ça fait, c'était tout une affaire terrible. Alors ça fait que après, on a été, mon cœur a été vivant. Et tout ça a été vivant. Et puis ils n'avaient pas une petite réunion, ils n'avaient pas ça, le reste c'était dans une cave. Alors ils allaient dans à la réunion, et tout ce qu'il écoutait mon père, il nous répétait, tout ce qu'il avait entendu à la réunion, il nous le répétait. J'avais 15 ans en ce moment-là. Et puis alors, tout ça, ça restait gravé dans mon cœur. Alors donc c'était un bouleversement qu'on avait. Parmi nous, le Seigneur y agissait, quand il nous disait qu'il était vivant. Alors, c'était toute une affaire, le Seigneur était vivant. Alors voilà. Alors ça fait un jour, j'étais couché, c'était à Noël, c'était 11h, minuit. Alors le Seigneur parlait à mon cœur, et puis il me disait, donne-moi ton cœur, je vais te baptiser du Saint-Esprit. Alors ça fait que j'hésitais un petit peu, pour moi c'était une voix étrange. Mais je savais que c'était le Seigneur, parce que j'aimais beaucoup le Seigneur, il avait une bouleur, c'est ma vie. Alors c'était moi, ça se répétait dans mon cœur, et il disait, donne-moi ton cœur, je vais te baptiser du Saint-Esprit, parce que je t'aime beaucoup, et je t'ai choisi. Alors Seigneur dit, mon Dieu, que ton Dieu. Alors à la fois, je dis, mais Seigneur, je donne mon cœur, et alors il m'a baptisé du Saint-Esprit, et puis alors, toute la nuit, je priais toute la nuit et je n'étais pas la seule. De tous les côtés, on se débattait du Saint-Esprit dans les voitures. Et puis il y avait un petit pasteur qui connaissait, commandait, il s'appelait, il est venu vers nous. Et puis alors, il dit, bon, on va faire une recherche du Saint-Esprit. Alors, et puis on ne connaissait pas bien. Mais, alors ça fait que cette nuit-là, il y avait 7 qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Alors c'était une chose sérieuse. Et puis après, Seigneur, on était vraiment. Bouillon, on était tout bouleversé. Et puis après, bon, quelques mois après, je me suis fait baptiser d'eau. On s'est fait baptiser d'eau ici à Rennes. Donc il y avait un fossec là. Il avait une salle. Alors je me suis fait baptiser avec toute ma famille. Alors bon, c'est une bénédiction, c'est des belles souvenirs. Et voilà. Et puis je voulais dire encore, je suis très ému. Seigneur qui m'aide. Et puis après, le conseil qui dit, ben bon, ben vous ne savez pas, il nommait les responsables. Donc il a nommé les responsables Carlo, Laurent, je l'ai fait en partie, et Pilar, mon père. Bon, ben je me souviens, il dit, toi tu dures, tu vas à Paris. Bon, ben on est à Paris, puis on a une famille de 11 enfants, et on n'était vraiment pas riches, hein. On n'avait rien, c'est pas comme aujourd'hui, hein. On n'avait rien. C'était quelques années après la guerre. On n'avait rien. Et alors, on avait la location. On était une famille de 11 enfants. Alors, heureusement qu'on avait la location pour vivre, quoi. Ah ben, on a été à Paris. Il a été à Paris, mon père. Alors, donc, ils ont loué une salle devant le côté. Et puis, il y a eu des réunions. Tout le monde était à foutre. Le monde était. Voilà. Mais c'était bien. Il savait même pas pour fraîcher. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il avait entendu à la réunion, il le répétait. C'était ça, ses prédications. Et bien voilà, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Mais le Seigneur s'est servi de lui, on a fait Dieu. Il a été un missionnaire dans les pays de l'Est, il a été.
Mon Dieu, merci Seigneur. Et mon oncle Pinard, lui, il a été avec Laurent à Bordeaux et a porté le réveil là-bas à Bordeaux aussi, la bonne nouvelle. Le monde est rendu à flot aussi. Seigneur, je remercie Dieu parce que Dieu, vraiment, il fait des grandes choses. Le Seigneur est vivant. Et puis voilà, vraiment, frère Lydie aussi, Linda, il a fait ses études à Montpellier. Il n'y avait pas d'enseignant, il n'y avait pas personne encore vers les barrières. Il a fait ses études là-bas. Voilà. Et puis Seigneur, je remercie Dieu, mon Dieu, dans ma vieillesse, là, je vais avoir 87 ans, là, moi je demande. Merci Seigneur, j'ai une bonne mémoire et je vais m'approcher de lui encore plus. Parce que je vois son œil grand et merveilleux. Je remercie vraiment qu'il est encore là, c'est un privilège qu'il est encore là. Merci Seigneur. Et puis, si je aussi le Seigneur, je lisais dans sa parole, comme ça, et j'étais choqué, retenu, quoi, repris. Par l'invitation des noces, que le Seigneur, il invitait tout le monde au festin de l'agneau. Et puis, il y en a beaucoup qui ont refusé, les premiers. Et nous, on était les derniers. Alors, le Seigneur, il a dit, allez le longer dans les routes, appelez tout ce que vous trouvez. Et amenez-les, que ma maison soit remplie. Alors, je laisse. Saisi par ces paroles-là, et c'est pour ça que je voulais les dire, parce qu'on est les derniers rentrés, et je crois que le Seigneur ne va pas tarder à revenir. Mais je lui rends gloire et grâce pour tous les fidèles. Le Seigneur, je le remercie aussi pour sa grande patience, qui use encore envers ceux qui ne sont pas rentrés encore. Alors voilà, ils vont persévérer, rentrer, et ils vont rentrer aussi, parce que le Seigneur dit, toi et ta famille, tu seras sauvé. Alors, faut croire. Merci Seigneur pour ces quelques paroles. Je suis content, vraiment content. Merci Seigneur, parce que j'appartiens au Seigneur et ma vie, dans ma vieillesse, j'ai la joie et j'ai la paix dans mon cœur. Mais je remercie Dieu de tout mon cœur et je prie pour tout le monde, pour l'œuvre de Dieu, pour qu'il grandisse encore plus dans le monde. Oh, je remercie Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Merci pour ses serviteurs. À Dieu soit la gloire. Amen.